L'expatriation invite à la découverte des autres et aussi à la propre découverte de soi-même. Frédéric Onis, coach et dirigeant d'entreprise, et Philippe Pierre, consultant et sociologue, reviennent ici sur les enjeux humains de l'expatriation en entreprise. Ils invitent à déconstruire la notion simpliste de choc culturel et explorent tous deux certaines conditions d'apprentissage quand on est loin de chez soi ou opère à distance. Mondialisation, mobilité des idées, mobilité des personnes, tout concourt aujourd'hui dans notre société à être en mouvement. Et pourtant, tout n'est pas si simple. Certainement, derrière cette injonction à être mobile, se cachent des enjeux plus profonds pour les entreprises, mais également pour ceux qui vivent cette expatriation. Frédéric, bonjour. Bonjour Philippe. Frédéric, tu as vécu l'expatriation en différents pays, en différents moments de ta carrière. Si je t'évoque la notion de choc culturel, est-ce que ça te semble pertinent de parler de choc culturel pour un expatrié ? Oh, ça me semble pertinent. En même temps, dans mon cas, et par mon expérience personnelle, je préfère parler de curiosité ou d'étonnement culturel. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que je suis expatrié depuis la naissance et que je me suis habitué à ces changements de pays et donc de culture. En même temps, le mot choc culturel me parle quand je pense au choc qu'on peut avoir de découvrir une langue qui est tellement loin de la sienne qu'on ne la comprend absolument pas dans les premiers instants de son expatriation, comme ça a été le cas pour moi en Turquie. Et puis parfois des petits chocs culturels comme la notion de gestion du temps et de gestion des priorités dans une réunion. Alors ça m'est arrivé au Japon. Dans une réunion, on avait peu de temps en fait pour résoudre une question assez importante. Et en fait, mes collègues japonais se sont arrêtés sur un détail et ont discuté pendant plusieurs minutes sur ce détail. Et tant qu'ils n'étaient pas d'accord sur la manière de régler ce détail, ils ne pouvaient pas passer au point suivant. Et j'ai vécu cette nécessité d'attendre pour moi, alors que j'étais un peu dans l'urgence, comme un petit choc culturel. Dimension du temps avec cette réunion au Japon, ouais. Dimension aussi certainement des relations sociales en Turquie, tu l'évoquais. Ouais. Au regard de tes expériences, est-ce que pour toi, il y a une bonne manière de s'expatrier ? Je pense qu'il y en a plusieurs, Philippe. Je pense qu'il y en a plusieurs en fonction de la personne qu'on est et de la manière dont on veut vivre son expatriation. Si on veut la vivre centrée en fait sur son expérience professionnelle, centrée sur un moment de carrière technique et managériale par exemple, avec la volonté de réussir une mission, on la vit d'une certaine manière. Si on veut la vivre comme aussi une expérience personnelle et se dire qu'au-delà de 3 ou 4 ans, c'est intéressant de s'investir dans une langue, dans une culture, dans des relations sociales avec les individus qui sont dans le pays où on s'expatrie. On le vit différemment. Et on peut aller jusqu'à couper à un moment donné les contacts avec sa propre communauté d'origine dans le pays où on s'expatrie, mm-hmm. pour être pleinement investi en fait dans la culture locale. Ce qui peut d'ailleurs amener à un quatrième cas, qui est celui où on décide de ne plus rentrer et de rester et de s'établir en fait dans le pays où on s'est au départ seulement expatrié. Ouais, ce que tu nous dis en fait conteste cette fameuse courbe en U de l'expatrié qui consisterait à scander un certain nombre d'étapes presque automatiques. La lune de miel, c'est l'euphorie du départ, le choc ensuite de la désillusion, puis ensuite le choc profond qui fait que quand on est à l'étranger, tu as dû le connaître peut-être, nos repères familiers, nos façons de fonctionner, nos repères culturels sont mis à l'épreuve et ne fonctionnent plus. Au regard de cette courbe que tu contredis, et je crois qu'en cela tu as raison, quelle est aujourd'hui pour toi la compétence majeure, la compétence primordiale d'un expatrié ? Je pense qu'il y en a plusieurs. Et au-delà des compétences professionnelles qui sont liées à la mission professionnelle elle-même, il y a des compétences en termes d'apprentissage. Il faut être capable d'apprendre et d'apprendre vite. Ouais. Que ce soit l'apprentissage linguistique, que ce soit aussi l'apprentissage culturel ou social, de manière à se mettre dans un rapport et dans une relation en fait, interpersonnelle avec les gens du pays où on s'expatrie, au service en fait, de sa mission professionnelle. Et je crois que c'est lié à une aptitude qui pour moi est importante au départ, qui est celle de l'ouverture et de la curiosité. Il faut avoir envie d'explorer, et il faut avoir envie de se faire plaisir dans l'exploration, de manière à vivre pleinement l'expatriation, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour moi, ces valeurs-là et ces compétences-là sont essentielles à la réussite même de sa mission professionnelle.
tout qu'est-ce que tu en penses, toi, Philippe? Ce que tu évoques là, il y a une expression que j'aime bien, c'est le complexe de l'imposteur chez l'expatrié, qu'on vit tous un peu quand on est à l'étranger, c'est-à-dire qu'on doit faire ses preuves, et dans les premiers temps de l'expatriation, on doit absolument montrer au milieu d'accueil que l'on est pertinent, compétent, mais intérieurement, on est assez lucide pour s'apercevoir qu'on ne sait pas faire. Quelqu'un de lucide qui s'aperçoit qu'il ne sait pas faire et en même temps doit renvoyer les codes de la réussite, je pense que ça fait partie de l'expérience de beaucoup d'expatriés. Et en t'écoutant, tu nous invites non seulement à le prendre en compte, mais en plus à une expérience saine du doute et de l'étonnement. C'est bien ça, Frédéric ? C'est bien ça, et je pourrais rajouter sur ce que tu viens de dire que dans les premiers moments de l'expatriation, il y a une phase clé où on peut, sur un certain nombre de sujets, montrer qu'on a des doutes ou des questionnements. Être en exploration, être en questionnement vis-à-vis en fait des équipes avec lesquelles on va travailler, qui sont avides en fait de nous apporter leur savoir, leur connaissance, de nous aider dans l'exploration, et qui prennent comme un signe de reconnaissance qu'on leur pose des questions et qu'on reconnaisse qu'eux savent des choses que nous on ne sait pas au moment de l'expatriation. Et ce jeu-là est très intéressant parce qu'il permet de créer un lien très fort et derrière d'avoir un positionnement qui est juste, qui est honnête, qui est bien centré et qui permet, je pense, de encore mieux réussir sa mission professionnelle. Parce que les équipes adhèrent à notre honnêteté intellectuelle par rapport à ce qu'on ne sait pas lorsqu'on ne sait pas, on s'expatrie. Alors tu évoques le jeu, tu évoques la reconnaissance, tu évoques la sincérité, l'authenticité. Mmh. Je te propose, Frédéric, dans une prochaine rencontre, de reprendre ces questions et de nous interroger encore. Ouais. Avec plaisir, Philippe. Sur la mobilité internationale. Merci beaucoup. Merci.